Salut tout le monde! J'ai un petit 2 heures devant moi, du coup on va faire un petit stream improvisé parce que j'ai envie de jouer un petit peu à The Outer Worlds et également Underrail. Alors, hier dans. Wow, qu'est-ce que tu me fais là? Ah oui, je suis toujours en Azerty. Ok, c'est parti! Alors. On a toujours notre quête principale à aller faire. Chose que j'irais bien faire d'ailleurs. Malheur de Grimm. Pénétrer dans le labo secret de Cascadia. Pour aller aussi faire ça. Hein. Ouais, je sais pas. Je pourrais aussi aller faire la quête principale. On va retenter la quête principale. Salut Abinine sur le chat. Ouais, casse sauce, hein. Casse sauce, c'est parti. En fait, j'aimerais pas avancer parce que je dois vous avouer que la zone de Monarque, j'en suis pas très fan. Que ce soit d'un point de vue quête secondaire, mais aussi d'un point de vue quête principale, c'est pas. Bah, c'est pas l'endroit le plus intéressant en termes de. On va dire en termes de narration. C'est joli, hein, mais. C'est pas foufou, quoi. Usine de port glié. Pourquoi j'ai deux objectifs, là? Pourquoi est-ce que tu mets deux objectifs? Formateur, caverne. Bon, on va aller tenter d'aller voir l'informateur. There's always something to fix, and it's neat working in the aether. Pour ça qu'on est là aussi. Now, if I drill through the hole, we all suffocate. Pas le shotgun. Ouais, ça sera mieux ça. Je sais pas si j'ai envie de passer par là. You know about stellar emissions? Actually, I probably shouldn't tell you about those. I mean, not unless you want to know how we're all likely to get spacers lung. Right. Okay. When we get back to the ship, I'm drinking this conversation right out of my recollection. Caverne. Informateur. On va aller voir l'informateur. C'est ça qui m'intéresse le plus pour l'instant. Pas loin, il est à 208 mètres. Le problème, c'est qu'il y a ça sur le chemin. C'est ça le souci. Pas les affronter, je pense, malheureusement. Alors lui, ça va. C'est plus l'autre gros truc là qui m'inquiète. Tu me tireras à bout portant, mais bon. Vas-y, assomme-moi ça. Hop. C'est bon? Non, t'es toujours pas morte. Allez, recharge, t'as raison. Prends ton temps surtout. Ok, je pense qu'on en est enfin venu à bout là. Non, toujours pas. Hey. Eh bah, t'en avais des trucs sur toi. Par contre, on se fait attaquer là. Oui, ça c'est pas très grave. T'as raison, on recharge quand je suis en train d'attaquer. Ok, donc ça c'est fait. Récupérez votre vie pendant ce temps-là.
Alors, l'informateur par ici. And here we are. Told you we'd make it in one piece. Alors, on a pris un chemin différent aussi, c'est pour ça. Ouh, des maraudeurs. Salut! Et qui me tire dessus? Ah bah putain, vous êtes résistant, hein? Mon arme, elle est censée faire beaucoup de points de dégâts à chaque fois que je tire. J'en fais pas tant que ça, visiblement. Hop. Faut aussi leur foutre le feu, hein. Et elle meurt. Voilà. Oh non. How the hell did marauders navigate the caverns? Oh. Ok, là-dedans. Donc effectivement, ce qu'ils avaient dit, c'est que la zone était envahie de maraudeurs. Donc il va falloir se débarrasser d'eux si on veut pouvoir trouver notre informateur. Pas fan qu'il y ait des mines là. C'est le moment de nettoyer, Nyoka. Si vous pouvez éviter de gueuler à chaque fois, ça serait cool, mais bon. Pas où t'es parti, toi, mais. T'es mort, il y a un gros robot là, je suis pas trop fan. Il est où? Dégâts électriques, évidemment. Généralement, c'est plus efficace contre les robots. Ça, c'est mal celui-là. Oh, c'est pas bon ça. En train de me faire fumer la tête. Ok. Et là, qu'il a repris toute sa vie. Pour y tuer. Salut, vengeance totale. Où mes compagnons? Ah, vous êtes là, vous. Comme si de rien n'était. Comment je fais pour les soigner? Emmerde un peu ça. Bien qui dit on dirait un mix entre Mass Effect et Fallout ce jeu. Bah écoute, c'est le nouveau RPG, action RPG à la première personne qui est fait par Obsidian, donc ce qu'on fait Fallout New Vegas, c'est pour ça que tu vas voir quelques ressemblances. Le problème c'est que je lui fais pas assez mal. Fais vraiment pas assez mal, toi. Merci. Sérieusement? Mais occupez-vous des mecs qui sont à côté de moi, quoi. Je sais pas. Putain, mais l'IA des compagnons, elle sert tellement à rien. C'est. Je vais pas dur, mais l'IA des compagnons. Juste de la merde, quoi. C'est quoi, rester par terre? C'est pas très efficace. Ouais, on est plus dans un monde futuriste là. Évidemment, il va falloir que je me retape encore le mecha. Fantastique. Ah putain. Tu peux attaquer, hein? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, vraiment pas. Je voulais pas que tu vises sur celui-là, mais c'est pas grave. Allez, allez! Oui, recharge maintenant, c'est vraiment une très bonne idée.
tire, mec. Si tu tires pas, on va pas y arriver. Hein. Comment savoir, je vais encore crever. Oh putain. Je crève. Eh, il reste encore la moitié de sa vie à ce pourri là. Vous êtes beaucoup à me tirer dessus là, je suis vraiment pas fan. Pourquoi est-ce que je galère autant dans cette zone? J'en sais rien. En fait, ça me gaffe parce que les ennemis, ils ont juste, c'est juste des sacs à points de vie, ils sont pas spécialement intelligents. J'aimerais vraiment finir cette zone parce que je vous cache pas qu'elle m'intéresse pas du tout. Oh, ça me fait chier que toi tu reviennes par contre. Ok, toi t'es mort, bonne nouvelle. Seulement j'avais une arme lourde très efficace, ça m'arrangerait, mais où tu vas toi? Ah oui, il y a ton pote qui arrive. Ton pote il est quasiment mort. Ok. Oh, il a repris toute sa vie. Et c'est ça mon arme pour aller le flinguer quoi, ça m'arrange vraiment pas. T'as rien d'autre dans mon inventaire là qui pourrait... Arme à une main, brûlure. Brûlure, mais les robots ils brûlent pas donc. Ouh, état à 20%. Peut-être le réparer. État 100%, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ok, on va mettre l'armure lourde là. Vas-y, mets ça. Oh, ça c'est encore mieux. Captain Badass, sachant que je suis un mec qui est censé pas avoir de force. Hein. Vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal de classe là. Oh, mais mes compagnons, comme par magie, vont se téléporter. Toujours au sol, visiblement. Arrête de sauter dans tous les sens, toi. Vite. Tire, je veux qu'on le flingue. Ah non, tu vas mourir. Eh bah putain, c'est pas trop tôt. J'en saute à qui est de la bonne qualité, c'est caisse. Ouais, pas mal. Faut vraiment que j'améliore mon arme à énergie parce qu'elle fait des dégâts pitoyables. Ouais, toi par contre, tu m'inquiètes pas trop. Où tu vas là? Voilà. Ok. Pistolet léger, pièce d'arme. Un milliard de trucs à looter, comme d'hab. Allez, on a un informateur à aller sauver là. Tu fais moins mal, mais tu brûles, ce qui aurait tendance à m'arranger. D'où t'es monté là-haut, toi, exactement? C'est pas grave, t'as fait le ménage, mais. Je sais pas trop comment t'es monté là-haut. Ah, il y a une caisse à ouvrir. Le robot bloquait le passage, ouais, le robot bloquait pas mal le passage. Allez, l'informateur, faut qu'on aille te chercher. Qui est-ce tu couines, toi? Qui est-ce tu chouines?
Vigie des maraudeurs. T'as l'air vachement efficace, ça fait plaisir. Je suis là, hein. Ah putain. Mec, t'es... T'es super perspicace, ça fait super plaisir. Une vigie très efficace, comme vous pouvez le voir. Il avait l'air de vraiment bien surveiller la zone. À quoi je pense, assis sur ma chaise, à rien foutre. Je ne sais pas. Bon, allons récupérer, enfin allons retrouver notre informateur. Oh, j'ai mon armure qui est pas en super état là. 52. On répare ça. Pièce d'arme. 33%. Vas-y, répare mes armes. Ouais, ça aussi. Plein de pièces d'armes, donc je vais pas m'en plaindre. Démanteler. Ouais, vas-y. 320 par seconde, ça j'en ai déjà un. Ça aussi. Ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas. Ouais, ça aussi, garde-le. Ça on va le garder. Ça se voyait pas, mais il faisait une sieste. Ah, peut-être. C'est peut-être possible. Effectivement, ça se voyait pas vraiment. Ok. Alors, oh, c'est rempli d'ennemis ici, comme vous pouvez voir sur le radar. Il y a un mec qui se balade entre les deux là. Hop, ouais, toi t'as rien d'intéressant. Et ça, continuez de faire le ménage, les amis. Moi, pour l'instant, là, je loot tout ce qu'on peut looter. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Salut, Manesco. Masser le repas, munitions légères, cartouches, poissons énergisantes, je m'en fous un peu. Ah, je peux revendre des trucs là? Il y a des marchands partout ici. Tu me diras, ça pourrait être pas mal parce que je pourrais m'acheter une meilleure arme électrique. 87. Ouais, revends-moi cette double. Hein. Ça aussi. Un peu trop d'armure légère. Discrétion, je m'en bats les steaks. Ah, ça c'est pas mal. À discrétion, je m'en fous. Arme de poing plus 5. Oui, celle-là elle est mieux que celle-là. Ça, ouais, ça on va garder au cas où. Alors, est-ce que tu vends des armes intéressantes? Que dalle! Pas idée à quel point je suis déception. Ah, c'est pas grave, hein. On va changer de casque. Il a l'air ridicule ce casque, mais il m'arrange. Putain, mais quel charlot, quoi. Non, avec cette armure, je pense que c'est ce casque qui va le mieux. Là, je suis un mec d'une capture, quand même. Un mec qui est censé avoir zéro de force, hein. Pourtant, je suis habillé comme un bourrin. Mais comme j'aime bien être ridicule, on va mettre ce casque-là. Ok, on continue. Scellé, ok. Ouais, ouais, j'ai vu. On est rentré par là. Hein. Ouais, on est rentré par là. Alors, là, il n'y a rien. Là-bas, c'est scellé. Bon, bah, il va falloir passer par ici. Encore oublié de prendre des trucs? On va te crocheter ça vite fait. Je suis devenu le dieu du crochetage, quoi. Il n'y a plus aucun challenge pour crocheter quoi que ce soit. Poubelle. Munitions, batterie, une bague. Armure de soldat d'élite. Tiens, ça peut être intéressant, ça. Cartouche d'octo, examinée.
Installation et carte d'accès des commandes environnementales. Barb, le nouveau terminal des commandes environnementales a été installé à l'étage et est désormais fonctionnel. Félicitations, comme vous en avez informé la direction, c'est vous qui écopez de la gestion. Considérez que je vous donne officiellement l'ordre de cacher cette carte d'accès au fond d'un tiroir quelque part, de préférence dans les archives ou dans un autre endroit populaire de la station. Ok. Pourquoi pas. Alors. Ok, c'est l'armure lourde. Ah putain. Ouais, bah vas-y, on va l'équiper. De toute façon, on est là pour buter tout le monde. Donc. Chaka qui demande. Salut Chaka. Si je fais du Under Rail aujourd'hui. Bah, c'est un tout petit stream. Donc, on va faire une heure de The Outer World. Et puis après, je ferai une petite heure d'Under Rail. Ouais, c'est prévu. Fais un peu des deux. Ouais. Et qui me parle à travers l'intercom. Ah, toi ici, ok. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are in fact trying to suicide by marauder? And you, Nioka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago. On vient t'aider, mec. Bloody broadcast. No. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems. Oh, casse-couille. Livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since my hired hands have clearly turned idle, it appears I need you to clear out the threat. As my newest contractor, you may call me the broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that, aside from you. Okay, Monsieur l'Informateur. See, Nioka? I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Hey, y'a combien de marauders dans la station? Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the broadcast equipment, I'll be out of a job, permanently. Ça marche, on s'en occupe, mec. Allons buter des maraudeurs. Ouh, c'est bon à crocheter, ça. Got some nimble fingers, Captain. Ouais, ouais. Je crochète tout. Je crochète tout, je loot tout. Non, à quoi ça sert d'avoir des compétences de crochetage, vu que de toute façon, tu trouves du loot partout dans le jeu. Même pas besoin de crocheter, que tu trouves du loot partout. The Outer World est un monde qui vomit du loot à chaque centaine de mètres. Alors. Pour les armes. Fusil d'assaut léger. Intéressant. Ouais, très intéressant. Vas-y, on va tester ça. Shotgun, j'en suis vraiment pas fan, donc. Ah, Taser Ultra. Prends le Taser Ultra, ça fera du bien. Voilà. Parfait. Putain, il est stylé. Stylé, le fusil. Ok, donc là, il n'y avait plus rien à faire. Par où c'est?
Ah, il est où l'ascenseur? Ça? C'est ça. Vas-y, c'est parti. Salut! Viens vous péter la gueule. Efficace. Oh, le fusil il fait bien mal. Je vois ta tête. Toi aussi. Chacun qui lit en parlant de Dorel, le but que tu fais actuellement, est-ce qu'il est adapté pour un débutant? Si c'est ta première fois, Underrail ne démarre pas avec un build complètement psy. Ils sont assez pétés. Et ne démarre pas avec un build à l'arbalète non plus. Ils sont très durs à jouer. Alors, vous avez trouvé un nouveau défaut. Vulnérabilité aux agents corrosifs. Non, ça m'intéresse pas. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des particularités de Outer Worlds. Quand il t'arrive des choses fâcheuses de façon récurrente, et que c'est le même type de choses fâcheuses, le jeu te propose alors d'avoir un défaut permanent. Ici, par exemple, le défaut permanent, c'est d'être vulnérable aux dégâts corrosifs, plus 25%, mais en échange, on m'offre un point d'avantage aussi impair que je peux faire. Mais ça ne m'intéresse pas trop. J'ai pas vraiment envie de faire la course aux perks, sachant qu'en plus ils sont pas spécialement tous intéressants. Après ils sont variés, mais c'est quoi ça? De l'eau pure et simple. Ramassons l'eau pure et simple. Poubelle. Cartouche d'octo. Il y a rien. On va continuer de fouiller. Même plus par où je suis arrivé, mais c'est pas grave. Ah, ça c'est utile. Par contre, les pas ça, mais ça là. Crochet magnétique. Bon, maintenant je commence à en avoir beaucoup, mais au début j'ai galéré un peu à en trouver des crochets magnétiques. Pièce d'armure, vas-y. Corijo Harico, ouais. Un autre taser. On va pirater ça. Ça va me prendre 3 secondes. Activer les systèmes anti-incendie dans le hall principal. Ouais, vas-y. Oh. Non, alors. Ok. Eh bien, le jeu t'offre des options pour éviter de foncer dans le tas, mais quand t'as déjà foncé dans le tas, c'est pas vraiment... super pratique. Salut Busty 12321 qui me demande si je suis toujours au Canada. Non, je ne suis plus au Canada. En tout cas, plus pour un certain temps. J'habite maintenant près de Boston. Dans la région de Boston. Pièce d'armes, voilà. On va monter à l'étage. Alors, est-ce qu'il y a des vilains ici? Ah oui, il y a des vilains. Mange-toi un coup de fusil dans la gueule. Ah, il est trop bien ce fusil. Ouh, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il a la gigote. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Il y a un air qui a pété un câble. Bim! Ce fusil, c'est de la tuerie. Vous le butez ou pas, là? Ah bah voilà! Oh, il a un lance-flamme, lui. Ça paraît être très prometteur, le lance-flamme. On va peut-être le filer à quelqu'un, le lance-flamme. 480 dégâts par seconde. On va filer ça à quelqu'un tout de suite. Mitrailleuse légère. Ouais, prends le lance-flamme, toi.
Vous pouvez voir que son équipement il commence à être intéressant à Parvati. Et Manesco, c'est pas toi qui m'avais recommandé de prendre un lance-flamme d'ailleurs? Ok, te voilà donc. M'excuse, hein, je veux cambrioler tout ce que t'as avant de te parler parce que visiblement j'ai le droit de le faire. Et après, je viendrai te parler. Ok, je t'ai tout volé, maintenant je peux te parler. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. This ought to square our debt. One hefty. Ah vache, 2500 octo. Valued service rendered, but I admit, I do wonder why Nioka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Pardon. Vous le savez très bien, peut-on reprendre la conversation que nous avons commencée par l'intercom? If you insist. As I was telling you before, I am the premier broker for all of Monarch. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do, do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptodons off your stoop. Are you fibbing? Be honest. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. Gardez vos excuses pour quelqu'un que ça intéresse. Karen won't change the facts of the matter. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Ok. Il faut les dégager de là. Exactly what I was thinking. They hurt us all with their pettiness, which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. On peut pas les couper depuis la station? No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and Sanjar to stop transmitting on their end. Ok, je vais essayer de les persuader. I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Non, non. Sure. Toi, t'as pas l'air de me connaître, là. Les persuade ou ils vont crever parce que j'en ai un peu ras-le-bol de faire des quêtes secondaires. Ils vont gentiment arrêter de d'émettre leurs, leurs ondes pourries là. Ok, alors on va aller. On va aller à Amber Hyde déjà. Le clipping, c'était assez violent quand même. Ça manque un peu de musique dans le jeu parfois, j'ai l'impression. Ah, tu te fais pas chier toi depuis l'autre jour, Rose, à attendre que les gens arrivent pour leur donner des tracts que tu n'as pas. Got used to standing just so. After a while, it put a thorn in my side, something awful. Lately, okay, for l'étage. Yeah. Salut. A stranger comes to our home. If you're looking for a path to walk, you've found one. If you're looking for a teacher, I am one. Welcome to the Iconoclasts. Ah, t'es sûr que tes chevilles elles enflent pas?
Je viens juste vous demander d'arrêter vos activités au pic du diable. Stop. No. Spreading the truth is the only way to combat the board's poisonous campaign of propaganda against their people. Vos émissions ne fonctionnent pas, personne ne vous écoute. I realize the board has blockaded our efforts, but Devil's Peak is an interplanetary radio tower. Surely somebody is listening. Surely. On peut utiliser une réponse de science en lui disant qu'il émet sur une seule fréquence, une fréquence que bien peu de gens reçoivent. Excuse me, I'm from Edgewater on Terra 2. If you pardon my saying, nobody I know has ever heard of you. All the more reason to double down on our efforts. Graham, we should be focusing on survival anyway. Food, ammo, and medicine. Maybe now's the time to pivot. Voilà, écoute. Pivot, huh? If radio isn't working, we might try another way. It seems the captain's timing is more than just serendipitous. It must be fate. I've had my sights on an old printing press for some time. The board uses magazines and advertisements to subtly focus the colony's attention. We will use their tricks against them. Wait, that's not what I meant. Help me clear out and repair the press, and I will have no need for that rust bucket of a radio tower. Ah, putain. Autant vous tuer et en finir tout de suite. Ouais, non. Ok, ça paraît honnête. Wonderful. I requisitioned replacement rollers for it some time ago. Huxley should have delivered them yesterday. Speaking of which, where is Huxley? You bought rollers? You haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on... Wait, where is Huxley? It seems we're out a runner. If you intend to help our cause, I'll ask you to meet our MSI supplier in her stead. Et elle est où, cette fournisseuse? She meets us in the ruins of Bayside Terrace. From our compound, follow the road north. Ok, ça sera pas long. Wonderful. While you're at it, I wonder if Carlotta still has those high-capacity cartridges? Grab a few, will you? There should be some funds left over from the last shipment. We can use them to copy and modify radio serials. Yes, not just magazines, but their precious dramas. Unbelievable. I hope I don't have to tell you this, but if there is extra money, would you mind buying, I don't know, food and medicine? Graham, if you need me, I'll be in triage. C'est beaucoup le fait que ces gens ils me connaissent pas du tout, mais ils sont déjà en train de me demander d'aller faire leurs courses et tout quoi. Sérieusement? En fait, je pourrais presque vous tuer juste pour avoir votre super casque. On verra. On va pas les tuer. Hein. On va essayer de faire les choses proprement. Casse-toi, toi. Mais il faut que ça soit simple. Parce que si ça devient trop compliqué et que vous m'envoyez faire des quêtes FedEx sur quêtes FedEx, je vais tous revenir et vous buter. Et ça va aussi régler la quête principale. Alors... mètres, ok, c'est pas trop trop loin. Allons rencontrer Carlotta. Carlotti, Carlotta. Faut que j'arrête de parler comme Ned Flanders parfois. Vous avez le droit de m'engueuler hein, quand je fais ce genre d'humour parce que c'est vraiment moche. Et je regarde des Simpsons de temps en temps sur l'heure du lunch. Ça me décontracte. Surtout quand c'est pour c'est pour se foutre de la gueule des Américains. Ça très bien. Oh. Il est vraiment cool ce fusil. C'est bon, il y avait juste cela à tuer. Pas besoin d'aller buter tout le monde. Ok, on se casse. Alors, c'est par là. Il est vraiment cool ce fusil là. Je pense que je vais le garder un petit bout de temps. Passage pour les quelques personnes qui sont là, si vous n'avez pas encore voté sur le... j'ai fait un petit formulaire, si vous tapez la commande question. N'hésitez pas à aller voter pour le prochain RPG que vous aimeriez voir en stream. Hey, en train de me guider. Boss says you've been real helpful, like. But, we got this handled. We
appreciate but do not require your assistance. That's my nice way of telling you to sod off. Oh, toi, ça va très mal se passer pour toi, là. Il faut que j'entre là-dedans. And I'm just gonna let you walk on in? Why is that now? Vous êtes ici pour Carlotta, voilà ce que je propose. Je lui aurai avec son compte, vous raflez la mise et tout le monde y gagne. Ou je peux lui mentir. Je suis ici pour enquêter sur des signalements de mentoptères. Oh, of all the void damned. I ain't getting Nina alive for a couple of bits. Pack it up, crew. Sérieux, c'est tout? J'ai réussi à te convaincre comme ça. Ah, j'ai bien envie de vous flinguer, vous. Et je pense qu'on va le faire. Allez, vous êtes des brutes, là. Puis le mec, il m'a mal parlé avec son chapeau melon au début. Viens, crève. Il est où, chapeau melon? Putain, il s'enfuit, l'enfoiré. Ah là là. La Bilan qui dit ses textures de visage d'un autre âge. Ah bah oui, la technique, c'est pas le point fort de The Outer Worlds. Hein. Ok. Ah là, ils ont plein de trucs à looter. La direction artistique, par contre, je la trouve relativement sympa. Trop cool. Alors... Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire ici? À part voler des choses comme d'hab. La pêche au loot, loot, loot. Crocheté. Je crois que j'ai trouvé. Ah, ah, je suis un peu surchargé. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Lance plasma. Arme lourde, ouais. Ouais. Démantèle-moi ça, là. Démantèle-moi ça aussi. Ça aussi. Un lance-flamme, ça suffisait. C'est le perforateur, m'intéresse pas. Ça non plus. Griffe, oui, qui m'intéresse pas non plus. Le shotgun. J'en ai déjà un, c'est le même. Ça, c'est de la daube. Voilà. Garde des trucs quand même pour pouvoir revendre certaines choses et me faire un peu de thunes. Même si honnêtement, je sais même pas si j'aurai besoin de me faire plus d'argent. Mais... Ah, c'est verrouillé? It's too quiet. What are you up to out there? Hello? T'inquiète pas, j'ai buté tout le monde, tu peux venir. C'est vous, Carlotta? Yeah, and for the 100th time, I'm not opening this door. Who are you anyway? Je m'appelle Armenos Graham, m'envoie récupérer la marchandise. Ça roule. Salut. I don't know how you got those goons to leave, but thank you. Graham ordered rollers and onesets, right? For yep. Printing press? Here, take them. Cool. Like I said, this is my last run. Ah, je vais vous plumer, ça ira plus vite. Pourquoi aidez-vous Graham? It's an enviable thing he's doing. Free people and all that. I can't live that way. I need my structure. But I respect the iconoclasts for doing it. Où vont-ils se ravitailler maintenant? I don't know. Maybe Sublight can lend a hand. I should go. Look, Graham's got a bit or two left in his account. I can send one last dropout before I wash my hands of this. What do you want delivered? Zora a dit qu'on a besoin de vivres et de médicaments. I always took that woman for the sensible type. Ouais, non, mais l'autre, il est un peu débile, là, donc.
I'll send some along. Give them all my regards. And good luck out there. Don't go getting eaten. Ah, les points d'XP que tu gagnes pour valider une quête, c'est affolant. Je comprends pas trop comment l'XP est réparti. Mais ouais, plein de trucs. Quelle est la touche que vous utilisez le plus dans The Outer World? La touche E, bien sûr. Bien sûr, pour looter tout ce que l'on trouve. Ouh, j'ai trouvé un casque qui a l'air assez stylé, là. Trouver un casque qui a l'air assez stylé. Ah non, c'est un casque de merde. Bon. Eh ben écoute, on va se casser. On va lui donner sa marchandise. Oh, t'as me fait tellement de la peine à faire le poteau devant l'entrée là. Ils sont pas méchants eux, donc j'ai pas de, spécialement de raison de les buter. I'm telling you, the Van Noys are... Bullshit, Graham. They don't just abandon orders, and they weren't at the ruins. Where in this sulfur-sodden hellhole did you send them? They're on a very important... Ah, we'll continue this later. Welcome back, Captain. J'ai vos cylindres. Le reste de votre argent m'a permis d'acheter des vivres et des médicaments. Thank the Eternal that someone's got some sense in their head. Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? Elle ne reviendra pas, Sanjar ne veut plus traiter avec les iconoclastes. That is most unfortunate. This cuts off one of our only two supply lines on Monarch. Sanjar, old friend, you're about to cross a dangerous line. About to? That idiot just declared war. We will deal. Ça me regarde pas vos histoires. For now, we must redouble our efforts to spread the truth to the colony. Alors, on la répare cette presse imprimerie? The print. Oh no, Graham, you didn't. I've already sent a team ahead to scout the press. One of our best. Meet them there and find out if they've been successful. You sent the Van Noys there, didn't you? Oh, for fuck's sake, Graham! We needed them in the ruins. Our people died out there. They went willing to fight for our cause. We need reinforcements. We need new recruits. The Van Noys saw the printing facility with the same importance as I. The hell's the sense in recruiting if you're just gonna get them killed? I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them. Ça vous arrive d'arrêter de vous chamailler tous les deux? This is worth bickering over. The iconoclasts can't keep their heads in the ground forever, or they're going to starve and die slow. Look, just if the Van Noys are still alive, get them out of there. With Sanjar pressing the issue like this, I have a feeling we'll need them. La presse d'imprimerie avant tout. Vous me faites chier avec vos histoires. Et j'ai pris un niveau, visiblement, une fois de plus. Nous sommes niveau 16. Alors... Notre crochetage... Ah. Améliorer mes compétences d'armes à points et d'armes longues. Et je pourrais améliorer aussi mensonge 70. Et je vais améliorer un point de science. Salut Morphis 27 sur le chat. Écoute, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre plus? Augmente de 10 les compétences de dialogue. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Ouais, ça pourrait même être très très bien. Vas-y. Moi, je suis Joe Latchage, donc... je dialogue. Comment on sort d'ici?
par là. Ah oui, il faut d'abord sortir et après je peux faire du déplacement rapide. De toute façon, ça fait ouais, encore quelques minutes là et on va s'arrêter. Laisse-moi passer. Imprimerie, faut que j'aille faire marcher cette fichue imprimerie. J'aurais dû tous les buter. Oh la vache, c'est pas à côté votre truc, hein. Putain. Comment je fais pour les rejoindre? Je peux y aller depuis ici, tu me diras. Ça va pas être trop long depuis... Ah, j'ai pas la commande uptime, c'est vrai que je pourrais la mettre. Allez, on va aller les rejoindre, et puis j'imagine qu'on s'arrêtera là. Je pense que je vais finir par faire les quêtes de mes compagnons. J'espère qu'elles seront plus intéressantes que les quêtes secondaires. C'est par là? Yep, c'est par là. Don't bother knocking on any doors. If anyone's inside, they're liable to respond with gunfire. Morphis 27 qui dit, je suis sur tes anciennes vidéos de Darkest Dungeon, elles sont sympas, je débute le jeu, il est énorme. Écoute, ravi que mes vidéos te plaisent, c'est vrai que Darkest Dungeon, j'en ai un peu abusé. Effectivement, le jeu est excellent. Cruel, mais excellent. Hop, toi t'es mort. Sérieux? Ils sont increvables, c'est pas possible. C'est le moment d'utiliser ton spécial, la cocotte. Et toi aussi. Pas sur lui, non, ça sert à rien. J'aurais préféré que tu utilises ça sur le gros patapouf. Il est genre là. Et il est mort. Il est mort. Ils sont résistants. Ils sont vraiment résistants, eux. Mais il a combien? Petit coup dans la tête. Un deuxième petit coup. Et tu es décédé. Il a un monstre. Ça continue encore? Sérieux? Oh là là. Eh bah tant mieux. Hein. 800 points d'XP, on a tué plein d'ennemis. C'est par là. Moi je pense qu'on va aller se poser devant et je m'arrêterai là. J'aurai pas le temps de faire ça ce soir. Ah oui, surtout si c'est un peu long pour y accéder. Arrête de flipper là. Tu vas mourir, toi. Eh ben putain. Ah, c'est pas fini, visiblement. Avance. Ok, ils sont là. Nioka. You're a sight right now, I'll tell you what. We are up a creek. I bet. You really come this far north for a printing press? Yeah, I know, but that's the mission. Don't suppose y'all are busy right now. vas-y. Vous pouvez compter sur mon aide. Thanks, but I ain't sure the mission is worth it. You keep spewing that sulfur, I'm liable to leap into the rafts. What my well-meaning idiot of a brother intends to say is, we appreciate the assist. Retournez à Amberhead, je prends le relais. Would that we could. We ain't leaving our men behind, and they ain't moving on their own. Our medic has got our trauma kit, but we got separated.
We ain't seen him in a couple of hours. Il est la direction dans laquelle il est parti? Yeah, on account of giving him the order. He's searching the old settlement to the north of the press. Putain, c'est sans fin. Ok, je vous promets rien, mais j'ouvrirai l'œil. C'est sans fin. On va nettoyer l'entrée là. Putain, mais ils sont super résistants. Ok. T'es en train de gémir. Ah, le médecin est là-bas. Bon, on va aller chercher le médecin. Faut au moins faire ça. Chut. Ah putain, ça me saoulait, mais il faut l'affronter lui encore. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était l'autre, mais c'est pas grave. Oh, joli. Joli mélange avec la texture. Elle, j'aime bien son attaque parce qu'elle assomme tout le monde. Putain, ils sont combien là? Ok. Ils sont un peu trop nombreux. Ouais, ils me poursuivent, en plus c'est pourri. Eh, ça vous dit de m'aider les mecs? Ça vous tente pas? Merci. Je veux dire, je préfère que vous creviez plutôt que moi. Merci, sympa. Allons chercher le médecin. Ah, il reste encore quelqu'un. C'est sans fin, quoi. Je crois qu'il est mort dans la texture, lui. Intéressant. Ah, le médecin, il est pas en super état, là. Tant pis, hein, ça sera pas de médecin du coup. Ok, bah je vais me poser, je vais me poster devant l'entrée du bâtiment et je m'arrêtais là pour The Outer Worlds. The Outer Worlds. Yep. Ok. Et ben sur ce, je vais quitter le jeu, lever l'overlay. Et on va continuer avec Under Rail. A tout de suite.